Il y a des murs. T'imagines le gosse, il court, il se prend le mur hôpital, quoi. C'est pas grave. On les emmène. Ah, on les emmène. Et on les a emmenés. Et c'était formidable. Parce qu'il y a juste un truc que je savais pas avec les enfants, c'est que, bah, en fait, c'est eux qui décident de tout. Bah ouais, moi je croyais que c'était les parents. Je suis un peu con, hein. Non, pas du tout, hein. Non, 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 non. C'est eux qui décident de tout. Ils décident quand tu te lèves, quand tu te couches, quand tu vas à la plage. Quand tu reviens de la plage, ce que tu regardes à la télé, hein. Moi, The Walking Dead, complètement arrêté. The Breaking Bad, complètement arrêté. Mais par contre, je suis à fond sur Pat Patrouille, Pat Patrouille, toujours en patrouille. Miraculeuse, porte-bonheur, Lady Magique et Lady Chance, mon yo-yo magique. Je suis à fond, franchement, je suis à fond. Et puis aussi, tu peux pas parler comme tu veux quand t'es avec des enfants. Bah non, tu peux pas dire de grands mots. Bah ouais, je sais, putain, ça fait chier, hein. Et tu peux pas fumer non plus. C'est vrai, c'est pas bien, faut pas le faire, c'est important. Mais le problème, c'est quoi mes vacances? Bah ça se résume un peu à ça, hein. Dire des gros mots, fumer une clope, prendre l'apéro avec un pote, tu vois, peser. Alors, en mode, ça fait... Ah, c'est toi là, ma couille. Bah ouais, vas-y, raconte ma gueule. Oh, mais t'es con, mais ta gueule. Ah, c'est trop cool. Et comme ça, toutes mes vacances, hein. Ah, moi j'adore, hein. Non, mais c'est vrai, c'est bien. Enfin bon, on s'est régalé. Régalé, c'est le terme. Hein. Parce que les macaronis et jambon fromage tous les soirs, tous les après-midi, 18h30, c'était wouhou. Trop bien. Heureusement, en dessert, il y avait des petits suisses. Des petits suisses à la cassonade, des petits suisses au sucre, des petits suisses à la confiture, tous les petits suisses que tu veux. Alors j'ai dit à celle qui avait acheté les petits suisses, dis, ma chine, oui. Tu les as achetés avec la cagnotte globale, petit Suisse? Sous le frigo, là? Oui. Je vais t'en prendre 6. Oui. Pour manger? Non, non. Pas une petite crème, de lotion. Oui, oui, oui. Voilà, merci, t'es gentil. Enfin, c'était formidable. Ah non, j'exagère. C'était pas si terrible parce que dans la maison que j'avais louée, il y avait une piscine. Et moi, j'adore les piscines. Ça fait vacances. C'était bien, t'es posé. Alors, j'étais dedans, comme ça, dans toutes les vacances. Avec tous les gosses autour. Mais la piscine était chauffée. Enfin, je crois. Enfin bref, tout ça pour vous dire, je suis crevée, j'ai besoin de vacances.
comme les peintres, j'ai mes modèles. Un jour, et c'est déjà hier, sur la plateforme de l'autobus, je regardais les femmes qui descendaient la rue d'Amsterdam. Soudain, à travers la vitre du bus, j'en découvris une que je n'avais pas vue monter. Assise et seule, elle semblait sourire. À l'instant même, elle me plut énormément. Mais au même instant, je m'aperçus que c'était la mienne. Oh, j'étais content. C'est gentil de m'avoir accompagnée à la gare. Oh, ben voyons. Oh, si, si. Et puis ces fleurs, ces bonbons, ces journaux. Savez-vous que c'est la première fois que nous nous séparons depuis notre rencontre? Oh, remarquez que 15 jours, ce n'est pas si long. Oh, bien sûr que 15 jours, ce n'est pas long, mais songez tout de même à ce que ça fait d'heure, ça. Puisque vous partez en voyage. Puisque nous nous quittons ce soir. Mon cœur fait son apprentissage. Je veux sourire avec courage. Voyez, j'ai posé mon bagage. Marche avant côté du couloir. Et pour les grands signaux d'usage, j'ai préparé mon grand mouchoir. Dans un instant, le train démarre. Vous resterez seul sur le quai. Je vous verrai de la gare. Me dire adieu là-bas avec votre bouquet. Promettez-moi d'être bien sage, de penser à moi tous les jours. Et revenez dans notre cage, où je guette votre retour. Voilà, je vous ai trouvé une bonne place dans un compartiment où il y a une grosse dame et un vieux curé avec une barbe blanche. Je crois que je serai très bien. Et je vous ai acheté deux livres. Le premier, c'est Un mariage d'amour. Et l'autre, Sagesse et sérénité. Ça vous plaît, ça? Oh, beaucoup. Puisque vous partez en voyage, vous m'avez promis, ma chérie, de m'écrire 14 pages. Tous les matins, ou davantage. Pour que je voie votre baissez la vitre, je vous prie. Oh, c'est affreux. Je perds tout courage. Et moi, je déteste Paris. Le contrôleur crie, en voiture. Le cochon, il sait pourtant bien que je dois rester, mais je jure que s'il le crie encore une fois, moi je viens. J'ai mon amour pour seul bagage, et tout le reste je m'en fous. Puisque vous partez en voyage, mon chéri, je pars avec vous. Avec vous ce soir. Mais c'est surtout parce qu'hier, j'ai pris l'avion. Et si je suis là aujourd'hui, ça veut dire que j'ai bien atterri. Si vous saviez à quel point je déteste l'avion. Non, pas du genre comme certains disent, oui, j'avoue, je suis pas fan du décollage. Non, je déteste. Je hais tout. Le décollage, l'atterrissage, le vol, l'odeur, l'aéroport. Je hais la semaine avant, je hais la semaine après. Enfin, tout. C'est infernal dans l'avion. Alors, ça commence avec le trajet pour aller à l'aéroport. Déjà, tu flippes de rater ton vol, et en même temps, t'en rêves. Donc, tu vas donner des idées contradictoires à celui qui te conduit. Genre le taxi. Oh là là, je vais être en retard, je vais louper mon vol. Non, mais vous inquiétez pas, prenez votre temps, de toute façon, je m'en fous. Le taxi, sous prétexte qu'il t'emmène au terminal, il te pose toujours la même question. Alors ça y est, les vacances? Et toi, tu penses toujours la même chose. Non, non,
c'est la fin, là. Sauf que le seul truc que tu réponds, c'est oui. Enfin, non. Enfin, espérons que tout se passe bien, parce que j'ai un petit peu peur de l'avion. Et là, alors qu'il conduit comme une merde et qu'il a failli se prendre un poids lourd sur l'autoroute, il te rappelle que c'est le moyen de transport le plus sûr et qu'il y a beaucoup plus d'accidents de voiture que d'avion. Tu m'étonnes, alors si tu pouvais regarder la route au lieu de me sortir tes stats de merde. Je ne sais pas ce qui est pire. Les gens qui te sortent ce genre de stats de merde ou les gens qui te sortent ce genre de stats de merde en s'excusant de sortir ce genre de stats de merde. Tous ceux qui disent « Je sais qu'on a des d'habitude de te le dire, je sais que ça sert à rien de te répéter, mais c'est le moyen de transport le plus sûr. » Alors tu réponds « Oui, on me l'a déjà dit. Oui, ça sert à rien de me le répéter. Donc t'es gentil, tu fermes ta gueule et tu me laisses tranquille. » Ces gens-là, je ne les supporte pas. C'est les mêmes qui, en arrivant à l'aéroport, ont l'impression d'être dans un parc d'attractions. Oh, on va au point relais. Oh, une parfumerie. On va chez Paul. Non mais calme-toi. Te mets pas dans un état pareil à chaque fois que tu cours dans un magasin. Oh. On arrête de faire genre que l'aéroport, c'est le meilleur spot du monde. Et puis, il te sort ce genre de phrase insupportable. Mais moi, j'adore voler. Alors, non, t'adores voler. Non, t'as conscience que tu fais rien. T'es juste assis dans un suppôt géant qui vole. C'est absolument pas pareil. Et puis, ils ont des arguments absurdes. Ouais, mais c'est le seul moyen où t'es en paix, coupé du monde, tu captes pas, personne ne t'emmerde. Mais on t'entend dans ta cave. Non, mais tu les vois, ils rentrent dans l'avion, ils sont hyper à l'aise, ils feuillettent voici. Alors que toi, t'es en train d'apprendre par cœur la petite fiche de sécurité, en vérifiant qu'il y a le gilet de sauvetage sous ton siège. Ah bah oui, oui, parce que toi, à ce moment-là, t'as décidé que tu gérais la sécurité de l'avion. En gros, t'es le flic de voyage, en termes de matos, de contrôle de l'appareil, et surtout, surtout, au niveau des comportements des autres passagers. Ah bah ça te pose aucun problème de dire à ta voisine d'arrêter d'envoyer des textos et de mettre son GSM en mode avion. Hein. Alors là, l'avion décolle. Comment vous décrire cette sensation? Eh ben non, je peux pas en fait. Tellement je l'ai. Non, c'est vrai, c'est anti-naturel. En gros, tu t'apprêtes à voler. Un truc doux, aérien, dans un truc qui pèse une tonne et qui fait un bruit de malade. Pour moi, ça reviendrait un petit peu à plonger dans une piscine avec un sac à dos rempli de bris. A priori, tu vas juste éclater la gueule au fond de la modèle. Là, t'as des sensations tellement ignobles que le seul truc que t'arrives à faire, c'est de te mettre en apnée. Tes mains, elles sont tellement moites, on dirait des escalopes de poulet cru. Ta tête, elle luit comme une mangue. Et celle-là, que ta petite voisine décide d'être sympa et te pose des questions complètement cons. Oh, vous avez peur de l'avion? Oh, ben non, je kiffe juste la texture des sièges, c'est pour ça que je m'agrippe comme ça. Et elle continue. Oh, vous savez qu'il existe des stages pour avoir moins peur? On vous fait des simulations de vol, de décollage, de turbulence. Elle est complètement con, quoi. Je viens de lui dire que je déteste ça, ça n'a aucun sens. C'est comme si moi je te disais, tu détestes le froid. T'as déjà essayé de mettre ta tête dans le frigo? Alors tu vas voir, il fait froid, il y a de la glace, ah, c'est génial. Bon, elle a fini par me lâcher la grappe parce que les pilotes ont annoncé qu'on passait au-dessus d'une ville. Ah bah là, t'as tous les blaireaux qui se sont précipités par le hublot pour regarder. Hein. Mais sérieusement, on est à des milliers de kilomètres d'altitude. Vous croyez voir quoi? Votre maison de vacances? Et enfin, ce moment est venu où on te demande d'attacher ta ceinture parce qu'on va bientôt atterrir. Mais toi, ta ceinture, tu l'as jamais détachée, même pour aller aux toilettes. D'ailleurs, à ce stade, c'est plus une vessie que ta main, cubie. Et ta gentille petite voisine, oui, elle est toujours là. Continue de te rassurer. On va bientôt atterrir. Oui, alors je suis peut-être bourrée sous Xanax, mais bon, je comprends encore le français. Merci. Bon, l'atterrissage pour moi, c'est encore le moins pire. Enfin, sauf quand c'est un atterrissage au bord de la mer. Ah bah oui,
T'as toujours l'impression d'avoir capté un truc que personne d'autre n'a capté. Il n'y a pas de piste d'atterrissage. Donc, t'appelles l'hôtesse pour la prévenir. Excusez-moi, il n'y a pas de piste. Pardon ? Il n'y a pas de piste d'atterrissage. Oh, mais on s'approche de la piste. Mais on s'approche de la piste. Non, mais t'aurais dû l'avoir, se la péter avec son chignon synthétique. Je sais quand même ce que je dis. C'est pas parce que je porte pas un petit tailleur ringard et un foulard rose que je sais pas reconnaître quand il n'y a pas de piste d'atterrissage. Bon, au final, j'avoue, bah, il y avait une piste d'atterrissage. René, les vacances dont vous vous souviendrez. Avec moi tous ensemble, les vacances René, les vacances dont vous vous souviendrez. J'ai dit tous ensemble. Les vacances René, les vacances dont vous vous souviendrez. J'en suis sûr. Tout d'abord, avant de vous laisser profiter de vos vacances, quelques règles de base concernant la convivialité, la sécurité, la vie en communauté. Voilà. Tout d'abord, les bungalows. Vu la tempête de la semaine passée, les bungalows ont été légèrement rasés. C'est pourquoi vous serez logés sous tente que vous devrez construire vous-même avec les draps qu'on a pu sauver. Alors là, je vous vois venir, vous allez me dire, on n'a pas de duvet. Ce à quoi je vous répondrai, nous non plus. Vous n'avez qu'à faire une grande tente, vous mettre tous ensemble et vous aurez chaud. Les vacances René, les vacances dont vous vous souviendrez. Pour les douches, on est en Normandie. Donc pour les horaires, vous consultez Météo France.
Pour les toilettes, là non plus, pas de problème, puisqu'on est au bord de la mer. Qu'est-ce qu'il y a, madame? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'allez quand même pas me dire que vous n'avez jamais fait un petit pissou? Hein? Vous, les touristes, on les connaît, hein? Ça arrive sur la plage, ça gaze, ça court, ça se déshabille, puis ça fonce dans la mer et après 5 minutes, ça bouge plus. Et là... Bonjour, madame. Hein? Bonjour, monsieur. Oui, la mer du Nord est particulièrement chaude, hein, aujourd'hui. Ça doit être le Gulf Stream. Et pour la grosse cargaison? S'il vous plaît. Attendez que la marée soit haute pour lâcher votre paquet. Hein? Parce qu'à marée basse, on vous voit. Les vacances, René, les vacances, on vous souviendrez. Durant tout votre séjour, il y aura différentes activités. Telles que plomberie, maçonnerie et électricité. N'oubliez pas de vous inscrire. Pour les excursions? Non. Mais les vacances, venez, les vacances, on vous vous... souviendrez. Enfin, le plus important... J'attends toujours vos chèques de 500 euros par jour et par personne. Mais vu les circonstances climatiques exceptionnelles, les vacances René vous offrent les nuits gratuites. Non, non, ne rigolez pas, madame. Dites merci. Et vous là, monsieur, c'est quoi ça? Vous voulez une semaine gratuite? Hein? Les vacances, René, les vacances, on vous... souviendrez.